Ce mardi, Kate Middleton et le prince William ont fait forte impression dans les tribunes de Wimbledon. Son apparition dans les tribunes de Wimbledon était très attendue. Alors que les inconditionnels de la monarchie ont déjà pu apercevoir Zara Tyndall et son époux Mike Tyndall la semaine dernière, Kate Middleton a assuré sa première apparition officielle de l'année lors du tournoi du Grand Chelem. Grande habituée de l'événement, elle est régulièrement aperçue aux côtés de sa sœur Pippa Middleton, et marraine de la Lawn Tennis Association. La duchesse de Cambridge s'est en effet installée dans les loges royales du tournoi ce mardi 5 juillet, et elle n'était pas seule pour l'occasion. Apprêtée d'une robe bleue à pois blancs signée de la griffe Alessandra Rich, elle a pu compter sur la présence de son époux, le prince William, mais aussi de ses parents, Carol et Michael Middleton. Une joyeuse réunion de famille que les photographes n'ont pas manqué d'immortaliser. Seuls James Middleton et Pippa Middleton, enceinte de son troisième enfant avec son époux James Matthews, manquaient à l'appel. Kate Middleton, une duchesse sportive, lorsqu'elle n'est pas dans les tribunes de Wimbledon, la mère du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis n'hésite pas à prendre place sur le terrain. Très sportive, elle avait notamment échangé quelques balles de tennis avec la championne Emma Raducanu, vainqueur de l'US Open 2021, lors d'un événement organisé par la Fédération britannique de tennis en septembre dernier. Une nouvelle apparition publique qui confortait un peu plus son engagement en faveur du sport.